Le but, c'était de mettre en valeur la pierre du pays. C'est vrai, on voit les coraux, on voit la calcite, et ça raconte un peu l'histoire de la géologie du pays en même temps. À chaque ancienne cale des bords de Loire, une sculpture de Bertrand Donneau, un artiste connu pour sa passion de la pierre et pour son amour du discours. La grenouille dit « croix, croix, croix » et le chrétien dit « croix, croix, croix ». Bertrand Donneau vit sur la Loire, dans cet ancien chaland devenu son domicile. C'était il y a 30 ans. Allez, Togo, allez, allez. Oh, j'ai toujours envie de patte. Alors là, nous voilà dans l'habitat du marinier. Derrière, c'était la cale arrière. Là, on rentre dans la cale avant. Et voilà. C'est un bateau qui avait été construit dans les années 1903 pour faire l'épicerie entre Nantes et Saint-Malo. C'est toujours difficile d'acheter une maison, de trouver un espace où vivre. Il y a toujours des voisins cariâtres. Il faut demander des permis, des normes. Donc, bon, ayant fait les beaux-arts, j'ai toujours ressenti ça comme une atteinte à la créativité ou à ma créativité. Alors, c'est très prétentieux. À l'époque, on achetait une péniche, on faisait ce qu'on voulait. On naviguait pas mal. J'ai eu l'occasion de faire le canal de Nantes à Brest plusieurs fois, la Mayenne, la Sarthe, les points les plus loin, je suis allé jusqu'à l'Orient. Aujourd'hui, fini les longs voyages. Cela fait 10 ans maintenant que l'artiste a accosté à Montjean-sur-Loire et décidé d'acheter une île à quelques centaines de mètres de là, l'occasion de naviguer encore un peu. Bah, l'hiver, des fois il y a plein de soigneurs, on est tout seul. Il y a les mouettes, les mulets qui vont remonter, on ramène les anguilles, les asperges au printemps. Oui, c'est formidable. L'intérêt sur la Loire, c'est qu'il y a une grande plaine alluviale inondable, donc plate. Et on a l'impression, quand il y a de la crue, on a presque l'impression d'être en mer par endroit. Enfin, l'horizon est très loin. Quand on vit sur l'eau, c'est plaisant d'avoir une île. Voilà. Je ne sais pas trop pourquoi, mais dès que je suis loin d'eau, c'est pas plaisant. Mais l'eau n'est que son second amour. Allez, Tango, hop. Le premier reste la pierre. Quand j'ai fait les beaux-arts, je ne savais même pas que la pierre, ça existait. Enfin, ouais, on sait bien qu'il y a de la pierre, mais regardez pas la pierre. Et tout d'un coup, voilà, en tapant dedans, j'ai comme une révélation. C'est relativement rassurant et agréable de tailler la pierre quand on a que du ciel, de l'eau et du sable mou autour de nous. Ça donne un point d'ancrage. Enfin, c'est peut-être quelque chose comme ça. Un art qui lui permet donc de garder les pieds sur terre et lui donne, peut-être un peu aussi, une certaine vision de la vie. C'est-à-dire, les enfants obéissent plus, les femmes font ce qu'elles veulent, les poissons ne veulent plus mordre à l'hameçon, moi la pierre, elle fait ce que je veux. Je ne sais pas pourquoi je dis une connerie.